On revient chez nous. Le père du grand défi, Pierre Lavoie, a maintenant un nouveau projet. Une épreuve de natation. Ça s'appelle la Grande Nage, Philippe. Et la première édition, ça va se tenir en fin de semaine. Voilà. Après un événement, après une compétition, plutôt une activité de vélo, bien maintenant, c'est autour de la natation. Donc, la grande vague qui prendra... qui se mettra en marche, donc, samedi matin. Plus précisément, ce sont 30 nageurs, dont 11 femmes, qui partiront du quai d'escale de la baie pour se rendre jusqu'à Lens-Saint-Jean. On parle d'un trajet à la nage de 60 km. Alors, quand même, une épreuve assez difficile. Ce sont des nageurs expérimentés quand même, parce que la plupart d'entre eux ont déjà effectué la traversée du lac Saint-Jean, mais tout de même, une épreuve importante pour eux. Donc, ces 30 nageurs qui seront divisés en 6 équipes, dont une toute féminine, qui partiront donc samedi matin. C'est une première expérience, donc une première année pour Pierre Lavoie, pour cet événement, la Grande Vague. Et on veut en quelque sorte aussi faire la promotion de la natation au Québec par le fait même. Le seul sport qu'on peut pratiquer encore à 90 ans, c'est la marche, la natation et le ski de fond. La plupart des autres sports vont vous blesser. Donc, si on veut garder notre forme physique pour garder notre cognitif, la santé mentale, il faut peut-être adopter un de ces sports. Puis la natation, vu le nombre de lacs au Québec, je pense qu'on devrait avoir une nation de nageurs. Alors, départ prévu samedi matin pour une arrivée, oui, dans les environs de 22 heures ou même jusqu'à minuit. On n'est pas sûr, étant donné que c'est la première fois qu'on tente l'expérience. Alors, on verra si ça deviendra un événement annuel, comme le grand défi Pierre Lavoie. Il est inspirant, en tout cas, et travaillant, ce Pierre Lavoie. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir.